Moi, je me rappelle, à Saint-Georges-de-Beauce, on avait été faire un comic club, un comedy club de Dominique et Martin. Ouais. Avec Billy Tellier, Pierre Hébert et... et c'est la seule fois de ma vie qu'on avait viré une brosse au Saint-Hubert. Oui, 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 c'est weird de virer une brosse devant un demi-poulet. J'ai appris un pudding chauveur, ouais. Moi aussi. Ouais. Mais Saint-Georges-de-Beauce, ça fait plusieurs fois qu'on va là. Étrangement, j'ai un drôle de souvenir de Saint-Georges-de-Beauce. On avait dormi à un moment donné au... c'est le Georgeville, je pense que ça s'appelle, oui, le gros hôtel. Et c'est probablement l'hôtel où j'ai le mieux dormi de ma vie. Et j'avais pas pris... J'aurais dû prendre le nom du matelas, la compagnie, le fabricant du matelas. J'ai jamais vu un lit comme ça de ma vie. Et je l'ai regretté. J'aurais dû appeler à l'hôtel aussi. Là, donc, on avait des belles chambres. Oui, c'était écœurant. C'était comme avec un salon et tout. Puis moi, il y avait une télé. Puis j'avais jamais aussi bien regardé la télé. J'aurais dû prendre la marque de la télé. Parce que j'avais jamais aussi bien regardé la télé que ça. C'était weird. C'était wow. Ah, peux-tu sauter l'état de l'intimidation puis que je te fasse tout de suite? Non, tu peux pas. OK. Non. Tu peux pas faire ça. Quand je pense à Saint-Georges-de-Beauce... C'est un nom de ville avec beaucoup de tirets. Je pense à l'escalier qu'il faut monter pour arriver à la salle. C'est la salle la plus haute au Québec. C'est vrai? Et la loge qui est la moins sur le niveau du stage non plus. Je me souviens pas s'il faut monter à la salle. On monte à la salle de l'extérieur. En dedans, on descend à la loge. On remonte de la loge pour aller faire le show. Puis on redescend après le show. Après ça, on remonte pour sortir de la salle. Ben, c'est ça qui est le fun avec Saint-Georges-de-Beauce. Parce que quand on va faire un show, on les a nos 20 000 pas. Voilà! Puis nos 8 portions de fruits et légumes aussi, parce que je mange les murs en tabarouette, on va te dire une affaire. Voilà. Les murs, c'est un fruit, ça? Oui. Ouais. Oui, oui. Eh bien, à bientôt, Saint-Georges-de-Beauce!